Eh bien, re tout le monde, donc 8e partie. Donc voilà, bon, comme d'habitude, on s'est arrêté là. Donc là, on doit partir en Alaska. Donc on y va de suite. Hop. Alors, Tcharno, non, non. Par contre, pour aller en Alaska. Ah oui, alors. Pour aller en Alaska. Non. Non. Alors, par contre, je crois, ouais, il y avait un tout petit truc. Alors, il fallait appuyer quelque part, il me semble. Il me semble bien. Alors. Il me semble que c'était ailleurs qu'il fallait appuyer. Navigation. Non. Alors, billet de loto, coordonnées. Alors, hop, voilà, Alaska. Voilà. Hop là, et on va déjà changer de CD. J'avais pas préparé ça, c'est pas grave. Hop, alors, le CD numéro 7. Donc, c'est le dernier, il me semble. Il me semble. Oui, ah oui, ça, je crois que c'était 8 CD, non, c'est 7 CD. Très bien. Donc je mets le CD tout de suite, tout de suite. Hop. Voilà. On charge. C'est parti. Non, le CD est bon, j'ai dit. Ah. Donc on est chez Raouche. Voilà, donc bah voilà. Alors, donc on y va. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est une petite sauvegarde. Comme ça, si le jeu crache ou si je meurs ou quoi que ce soit, au moins, hop, je reviens ici de suite. Hop, et on est reparti. Ouais, belle petite baraque et tout. Tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? On va pas ressortir. On va peut-être monter. Hop. Alors. Ah. Il va pas bien. Hein. Il va pas bien, il va pas bien. Hey, Eh, réveillez-vous. hey, réveillez-vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il veut pas. Où est Mulder? Bon, il veut pas répondre, ce fumier de lapin. Il veut pas répondre. Tubi-dubi-du. Ah, voilà. Donc, il faut tirer ça. Voilà, et il faut grimper. Et là, surprise! Monsieur Mulder! On le retrouve enfin. Qui êtes-vous? Je vous connais. Je suis le câbleur. Vous allez bien? Non. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai les pieds tout engourdis. Agent Wilmore, FBI. Je vous prenais pour un fantôme. Ah bon? Il y a un bout de temps que je vous cherche. Eh bien, vous m'avez trouvé. Comment êtes-vous venu ici? Oh, je m'a kidnappé quand j'allais voir une gare de triage et il m'a volé ma voiture. J'ai toujours eu envie de visiter le nord de la côte Pacifique, mais hélas, on ne voit pas grand-chose du fond d'un coffre. Raoche est au rez-de-chaussée. Ah. Vous êtes sérieux? Il n'a pas mis le feu?
Je vous demande pardon. De rien, mais dans quel état est-il ? Ah bah, il va pas bien. Inconscient, il était recouvert d'une couche d'huile. Oh, Rausch, ce type a toujours une chance insolente. Ah. Hop. Pourquoi Rausch vous a enlevé ? C'est un médecin de la Navy que les extraterrestres tiennent en leur pouvoir. L'extraterrestre qui le contrôle, ou du moins qui le contrôlait, s'est crashé dans l'océan il y a près de 2 mois. Vous disiez qu'un extraterrestre contrôlait cet homme ? Il y a des espèces d'extraterrestres qui peuvent habiter notre corps. En le parasitant, ils parviennent à s'emparer d'un être humain, et même à acquérir les connaissances qu'il avait accumulées. Le seul moyen de savoir ce qu'il en est, c'est la présence d'une pellicule d'huile noire qui voile les yeux de cette personne. L'équipage du Tarakan a rencontré une de ces créatures, sans doute du type Valdez, qui les a bousillées instantanément. Le gouvernement a pu s'en emparer et la mettre dans un fourgon, mais une négligence lui a permis... Ah, lui a permis de s'échapper. En effet, Rausch a un étrange voile noir devant les yeux. Vous avez de la chance qu'il n'ait pas tenté de vous tuer. Je suis presque sûr que la créature veut revenir sur le bateau. C'est pour ça qu'elle s'est servie de Rausch, mais je ne sais pas du tout où le bateau a pu partir. J'ai vu des hommes en noir devant la maison, ils venaient d'en sortir. Il faut que nous les rattrapions en vitesse, il est en lui. Essayons de deviner l'endroit où ils se sont rendus. Je le sais. Je connais un lieu secret qu'a équipé le gouvernement, j'ai pu me procurer une vidéoconférence. Ah, c'est une source qui est fiable en tout cas. Est-ce que par hasard votre gare de triage n'est pas près de la route 1121 ? Gagné. L'armée y fait certains exercices. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Hop. J'ai parlé avec Scully. Comment va-t-elle ? Elle se remet. Elle est sortie de l'hôpital. C'est un Sana. Je l'ai déposé après le coup de feu qu'elle a reçu dans l'entrepôt. Avant, j'ai téléphoné à Seattle pour qu'on m'envoie du renfort et tout ce que j'ai vu venir, c'est des nettoyeurs de la NSA. Vous aviez eu qui ? J'étais trop pressé pour demander où on allait partir. Je n'ai dit à personne où j'avais emmené Scully. Visiblement, j'avais intérêt à rester méfiant. Vous avez des amitiés de Froyck. Vous êtes un excellent petit télégraphiste. Froyck, Rausch, Scully. Vous connaissez Skinner ? C'est lui qui m'a envoyé. Ouais, c'est logique. Ah. Téléphone. Oui ? Agent Wilmore, c'est Dana Scully. Où êtes-vous ? À Juneau, en Alaska. Vous avez trouvé Mulder ? Oui, il est là. Dieu soit loué, passez-le-moi. C'est Scully. Scully, où es-tu ? Je viens de partir pour Juneau. Quel est ton agent de voyage ? Byers, Froyck et Langley. Excellente compagnie. Tu as pris ton téléphone ? Oui. Parfait, je te rappelle. Voilà. Bon, alors allons-y. On y va. Non, on y va. Non, moi, j'y vais pas, j'ai peur. Bien, il y a des gens qui se sont invités. La NSA ? Ou les témoins de Jéhovah. Soyez gentil de leur faire les politesses à ma place. Je vais rejoindre Scully pour aller voir les installations. Vous nous y retrouverez ensuite. Une seconde. On m'a chargé de vous retrouver, vous, Scully. C'est fait. Je dois m'en aller. Voyons, qu'est-ce que c'est que ça ? Tout n'est pas encore fini. Ne partez pas sans vos émoluments. Ok. D'accord. Super, super les amis, super. Alors là, bon bah, hein, voilà. Donc voilà, comme je disais, ce qui est dommage, voilà, dans ce X-Files, ce que je reproche entre guillemets, c'est que voilà, les deux acteurs, de principaux acteurs, on va dire, on les retrouve voilà à la fin, quoi. C'est vraiment à la fin et on les voit vraiment pas beaucoup. Donc ce que je vais faire là, parce qu'on voilà, éliminé, on peut mûrir. Donc je vais enregistrer là, je vais pas me planter, comme ça. Enfin, pas me planter, je vais éviter de mûrir, quoi. Par où je vais, moi ? On peut pas partir, j'ai jamais essayé, tiens. Ah non, on peut pas se barrer. Non, moi je fais le tour, hein. Donc des fois, un truc que j'avais pas vu quand je l'ai fait étant gosse. Non, on peut pas, je me suis dit, on peut peut-être... Agent Wilmore, nous sommes de l'Agence de Sécurité Nationale. Nous filons des contrebandiers qui importent du plutonium en provenance de l'ex-URSS et de Yougoslavie via Hong Kong avant d'atteindre Seattle. Il a été démontré que le Tarakan... Quoi ? ...pour faire entrer des marchandises dans la zone des 7000. Le plutonium a tué l'équipage, comme il a tué les gens de Charno.
Votre enquête est donc achevée, agent Wilmore. Ok. Oui, sérieux, je lui ai tiré dessus. Oh, il mourit. Mais oh, ça, c'est pas juste, là, je lui ai tiré dessus. Bon, c'est pas grave, je vais recommencer, mais bon, oh. Peut-être lui tirer dans les couilles, c'est peut-être pas le meilleur. Oui. C'est lui. Merci. Bon, bah écoutez, on va essayer à nouveau. Tant pis, hein. Agent Wilmore, nous sommes de l'Agence de Sécurité Nationale. Oh, ta gueule. C'est une blague, quand même, là. Là, ça... Oh. Eh, là, c'est une blague. Bon, je vais recharger, c'est pas grave, mais ça... Oh. Je lui tire dessus, il a rien. C'est quoi, mec, c'est... Oh, c'est un Terminator ou quoi? Bon, c'est pas grave, hop. Voilà. Agent Wilmore, nous sommes de l'agence de sécurité. Sinon, je vais tuer lui en premier. Et lui. Voilà. Bon, bah, c'était peut-être comme ça qu'il fallait faire, voilà. Non mais oh, espèce de fumier, moi. Moi, je me casse. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais oh. Voilà, donc dernière partie, donc je pense que je vais tout faire d'un coup, il y aura peut-être, certainement, peut-être une petite coupure. Je vais voir en fait en fonction. Mais je vais tout faire d'une traite, hein. Même si ça dépasse les 1/2 heure ou les 25 minutes, c'est pas grave. Les mêmes brûlures que les autres. Mulder, allez, on continue. Je crois qu'il reste vraiment peu de temps cette fois. Mulder? Je suis Mulder, moi. D'accord. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je refais une sauvegarde, parce que ici, bah, on peut vite mourir, en fait. Donc j'essaierai de voir les différentes fins, apparemment on peut avoir différentes fins et tout. Alors par contre, je vais m'équiper, hop, on sait jamais. Alors il y a certaines salles en fait où il faut pas aller. Tout simplement parce que c'est des pièges en fait. Donc il y a certaines salles où il faut pas aller. Tout simplement parce que bah c'est des pièges donc... Ok. Donc je risque de mourir, hein, je préviens tout de suite. Ok. Donc ça, je crois, il me semble qu'on va en avoir besoin après. Ici, je le sens pas trop. Merde. Ah, moi, je tire à un à foutre. Alors, je crois qu'ici, il faut pas y aller, en fait, mais... Bah, vous pouvez voir ce que ça... Alors, je crois, hein, je suis pas sûr, attention, je m'en rappelle plus trop. Non, y a rien. D'accord. En fait, vous pouvez vous faire attaquer par Scully parce qu'elle a été hantée par le... l'alien, enfin le... ouais, l'extraterrestre, on va dire. Donc elle est là, d'accord. Alors par contre, où c'est que faut-il aller? Bah écoute, de toute façon, c'est la dernière partie, donc... Ok. Donc... J'essaierai de montrer différentes fins, ou sinon, au pire, je ferai le truc de mon côté, puis je ferai peut-être un petit best-of des morts qu'on peut avoir. Voilà, donc ça, il faut l'allumer. Je garde mon flingue, hein, on sait jamais, parce qu'il y a des mecs ici en fait, donc ça, il va falloir l'ouvrir. Ça, il faut l'ouvrir, et l'autre côté aussi en fait. Donc le chemin, si je peux utiliser l'intuition, je le ferai, parce qu'en fait c'est un chemin assez biscornu qu'il faut prendre en fait. Enfin bon, vous verrez de toute façon, pour attirer Mulder en fait, bah, vous allez voir. Vous verrez bien, enfin si je ne meurs pas avant. Qui risque d'arriver, hein. Ça c'est très probable.
ici, il n'y a rien. Ici. Ah, mais merde! Alors, je vais éviter de trop mourir, parce que quand ça charge comme ça, j'ai pas confiance en fait. Merde. Ah, on peut le tuer, je crois. Scully, j'aurais besoin de ton aide. Il me faut les deux clés de la porte blindée qui donne accès à l'entrepôt. J'ai jamais essayé, j'aimerais bien essayer, mais... C'est important, aide-moi. Mais bon, Vous voyez, il est... Hop, là, il est possédé, en fait. Donc... Hop, on va dire de se barrer. Courez. Voilà. Parce qu'en fait, voilà, il est possédé par le la lionne. De lapin. Ah bah voilà, vous voyez, voilà. Donc j'ai mouru encore, donc voilà une mauvaise fin du jeu encore. Bah peut-être que je vais faire tout d'un coup en fait, je vais faire toutes les fins. Enfin, c'est des fins entre guillemets, quoi. Voilà, donc je me suis sacrifié pour... voilà, blablabla, blablabla. Bla, bla. Donc on va essayer à nouveau. Alors attendez, je vais voir si on peut pas... Je vais essayer de le tuer aussi, ça fera peut-être une autre fin. Scully, j'aurais besoin de... C'est ce qui a tué, en fait, c'est ce qui a tué, par exemple, de mettre le transport, voilà. En fait, si on... Comme nous a dit l'autre mec, si on essaye de le tuer d'une autre manière que en lui plantant dans le cou, et ben voilà ce qui se passe. Donc, même cinématique, au pire, vous passerez, mais bon, je voulais essayer, en fait, parce qu'il y avait pas mal de choses que j'avais pas essayé. Donc, on va essayer à nouveau, et cette fois on va pas se faire avoir. Scully, j'aurais besoin de ton aide, il me faut les deux clés de la porte blindée qui donne accès à l'entrepôt. C'est important, aide-moi. Les deux clés, qu'est-ce que... Voilà, donc en fait, voilà, il est possédé par l'extraterrestre, en fait, donc... Hop. Courez. Voilà. Donc, par contre, je vais éviter de me bicher non plus, parce que je... Hop. Voilà, donc vous voyez, il y a des pièges, en fait, dans les salles. Vous avez des pièges, donc il faut... c'est pour ça que je garde mon flingue, en fait. En main. Parce que toutes les salles sont un piège potentiel. Enfin, toutes. Toutes, oui, enfin c'est relatif, mais beaucoup de salles. Donc il y a certaines salles où il faut pas aller en fait. Si vous y allez, bah vous êtes mort. Est-ce que ça faut... Non, pas encore. Il me semble qu'il faut appuyer dessus à un moment donné. Ici, je sais plus. Alors, je vais faire quand même une sauvegarde. Parce que bah, si je me biche à chaque fois. Parce que je pense que cette vidéo va être plus longue, même s'il y a une petite coupure, ça va être un peu plus long. Parce que j'aimerais vraiment tout voir, quoi, en fait. Voir toutes les fins et tout. Et puis, bah, je me rappelle plus aussi des salles où il faut pas aller. Donc, il y aura des morts, hein, dans cette partie. Agent Wilmore, content de vous voir. Je sais où est l'agent Mulder. Voilà. Venez avec moi. Voilà, bon, ça par exemple. C'est, voilà, par exemple, bah voilà, l'extraterrestre a pris... Donc il faut pas aller ici. Donc je vais reprendre mon flingue, on sait jamais. Ah, il y a encore des... Alors je sais plus trop où faut aller malheureusement. Enfin malheureusement. Il me semble qu'il fallait aller ici. Il y avait un truc à regarder, il me semble. Alors attendez. Peut-être enlever le flingue parce que c'est chiant en fait. Ah voilà. Donc ouais, il fallait bien aller ici. Ça explique les mutilations du bétail. Donc là, vous avez... Hop, voilà. On pourrait avoir une autre fin ici, il me semble. Agent Wilmore, ravi de vous voir ici. C'est vous. Oui. C'est moi. Et voilà.
Ah, pourquoi je suis sûr que vous aimeriez y voir enfin clair. Ouais, il y a quelque temps que ça me fait envie. Très bien. Mon travail était de dévier votre attention de ce qui se passait réellement. On peut le tuer, je crois, avec directement avec le plutonium en fraude. Le gang des Russes. Wong. De la pure invention. C'est moi qui ai mis toute l'affaire sur pied. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour l'argent. Une fortune. Il faut tout simplement l'assommer. Donc vous pouvez le tuer en fait avec le flingue. Mais bon, je sais pas, j'avais lu un truc comme quoi fallait tout recommencer. Donc non, je vais éviter de le faire. Peut-être que je le ferai en best-of. Enfin best-of, je mettrai peut-être quelques fins qui manquent au pire. Donc voilà, Cook, voilà pourquoi j'avais pas spécialement confiance en lui, parce que bah voilà, c'est un fumé de lapin en fait. Donc voilà. Oui. Ah non, c'est les écrans. Je vais reprendre mon flingue, on sait jamais. Alors, maintenant, par contre, où faut-il aller ? Ou alors il faut retourner au... à la salle de tout à l'heure. Donc ici, je crois que Scully est là-bas. Mais je crois, hein, attention. Voilà. C'est vous. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez Mulder. Il doit être en pleine crise narco-somnambulique, c'est sûr. Je pense que le mieux, ce serait d'arriver à l'entraîner dans la chambre d'isolation. Quand il sera là-bas, je verrai comment déclencher son réveil. Ok, mais comment faire ? Il faut d'abord savoir où est l'autre clé que Mulder voulait trouver. Quel que soit son contenu, cette pièce est protégée par une espèce de porte blindée. Je suis convaincue que la serrure est actionnée par une commande à double clé. Il faut absolument tourner les deux clés simultanément, comme pour le lancement d'un missile. Le gardien de l'une des clés est dans le coin de cette pièce. Si je parviens à capter son attention, vous venez sans vous faire voir, vous l'assommez et ensuite on entraîne Mulder dans cette chambre. Mais avant tout, il faut désactiver les circuits de la chambre. Attention, la porte de la zone de sécurité s'est verrouillée une fois que je suis passé. Nous devons d'abord la réouvrir. Ah d'accord. Non, donc c'était pas ça. Ah oui, alors je crois que je sais là. Je crois. Hein. Ça fait beaucoup de je crois, je sais. Et bon. Je vais reprendre mon flingue, si jamais. Normalement, il faut aller dans cette salle. Non, il faut activer ça. Voilà. Ouais. Ah putain, alors ça c'est chiant. Ouais, mais bon, je le garde au cas où parce que je sais plus si j'ai tué. Je crois pas avoir tué tout le monde. Tiens, il y a une porte là. Espérons que ça va marcher. Dites-moi s'il y a une direction que vous souhaitez que je prenne. Alors je sais plus, parce que là je crois que je peux, on peut... Je sais plus si on va... D'accord. Ok. Protégé par un mot de passe. Ok. Arrêtez ! Monsieur, je suis l'agent... Voilà. Donc on va pas lui laisser le temps de parler. On va essayer d'avoir une bonne fin. Et puis... voilà, donc normalement la clé... Donc là, il faut, voilà, pister Mulder. Donc en fait, voilà, là, je préfère faire avec l'intuition parce que c'est vrai que ça... Alors j'espère que j'avais bien rouvert les deux portes, merde. Oh, fuck. Je crois que j'ai fail, non ? Non ? Non, c'est bon. Voilà. Parce que si on fait pas ça, en fait, bah... Si on tue, par exemple... je sais plus, si on tue Mulder, en fait, l'extraterrestre va venir dans ce Scully, puis venir nous tuer, en fait. Donc vous avez 5 ou 6 fins, comme ça, enfin, vous... Des mauvaises fins, vous pouvez mourir, et puis voilà. La lune est venue... Alors,
par contre, là... Alors, attendez. Je vais essayer de me rappeler. Tournez la clé. Donc, on peut tourner la clé. Tournez la clé. Normalement, ça s'est fait. Donc, on peut tourner la clé. On peut tourner la clé, ou alors on peut... Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais réessayer. Bon, voilà, je suis remort. Et le mec, il meurt plein de fois, quoi. Sans déconner. Mais qui meurt et il revient à la vie tout de suite. Allez. Dépêche-toi. Ah, ça reprend. Là. Hop, donc on va recharger. Au final, ouais, je sais plus trop où j'étais. Super. Alors, je vais retourner dans la vite dans la salle. Je vais pas... Voilà. C'est vous. Oui, c'est moi. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez Mulder. Il doit être en pleine crise narco-somnambulique, c'est sûr. Je pense que le mieux, ce serait d'arriver à l'entraîner dans la chambre d'isolation. Quand il sera là-bas, je verrai comment déclencher son réveil. Ok. Mais comment faire? Il faut d'abord savoir où est l'autre clé que Mulder voulait trouver. Quel que soit son contenu, cette pièce est protégée par une espèce de porte blindée. Je suis convaincue que la serrure est actionnée par une commande à double clé. Il faut absolument tourner les deux clés simultanément, comme pour le lancement d'un missile. Le gardien de l'une des clés est dans le coin de cette pièce. Si je parviens à capter son attention, vous venez sans vous faire voir, vous l'assommez et ensuite on entraîne Mulder dans cette chambre. Mais avant tout, il faut désactiver les circuits de la chambre. Attention, la porte de la zone de sécurité s'est verrouillée une fois que je suis passé. Nous devons d'abord la réouvrir. Ok. Donc ça, normalement, voilà, ça j'avais bien ouvert. Alors attendez, je vais juste revérifier, puis après bah, je ferai juste une petite sauvegarde rapide, juste avant de... On peut passer, ouais, c'est bon, c'est nickel. Donc je vais me dépêcher. Donc au pire, bah vous passerez, hein. Vous passerez un petit peu la vidéo, et puis... Voilà. Au pire, si je meurs trop, je ferai un petit... je couperai, puis je mettrai directement... Si vraiment je meurs, hein, si vraiment je remeurs, parce que bah normalement faut donner le stylet à Scully puis qu'il lui plante dans le cou en fait. Mais je sais pas là ça. Alors j'ai pas compris. Espérons que ça va marcher. Dites-moi s'il y a une direction que vous souhaitez que je prenne. Donc je vais refaire une sauvegarde ici. Comme ça voilà, comme ça on est tranquille. Enregistrer. Hop là, voilà. Yes. On est reparti. Voilà, donc cette vidéo va être un petit peu plus longue, mais bon pour. Comme c'est la fin de l'aventure, hein, tout simplement. Donc on va prendre le flingue. Arrêtez! Monsieur, je suis l'agent Scully du FBI. Ne faites plus un seul pas! Ouais, bah écoute, hein, toi... Voilà, tu feras plus jamais de pas. Voilà, ça c'est fait. Donc on va le pister. Et normalement, il faut donner le stylet à Scully si on veut avoir une bonne fin. Enfin, la vraie... Mince! Ça me bouffe. Je suis désolé, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai appuyé sans le vouloir en fait. Ah, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, je couperai un petit peu, et puis voilà, parce que là ça devient chiant de mûrir à répétition. Donc, ouais, on va essayer à nouveau. Hop, allez. Voilà, donc on va pas perdre de temps. Donc ouais, je pense qu'il... Arrêtez faut... Monsieur, je suis... Toi, ta gueule. Voilà, donc le mec, il doit en avoir marre, en fait, de mourir à répétition. Donc je vais mettre le curseur directement ici. Parce qu'en fait, je crois que si on essaye de partir comme ça, si on n'utilise pas l'intuition, c'est mort. Voilà, donc on va le pister. Donc on le piste. Voilà, donc voilà, il faut l'enfermer. On peut le tuer, vous pouvez l'enfermer, enfin bon voilà.
Alors... Tournez la clé. Tournez la clé. Voilà, ça y est. Voilà, donc voilà. Ça, on va voir la bonne fin, donc je vous laisse apprécier la cinématique de fin. Agent Wilmore, je sais que vous êtes bouleversé par ce qui s'est passé. Nous sommes tous affectés par le malheur d'un de nos proches. Je ne m'en doutais pas. Mark était mon ami. J'aurais dû être plus attentif, c'est possible. Mais aucun de nous n'est fautif. Excepté l'agent Cook lui-même. Bonjour. Je vous en prie, entrez. Je suis juste venu vous dire au revoir. J'ai parlé au lieutenant Astadourian et apparemment, en fouillant l'appartement de Cook, ils ont retrouvé heureusement mon portable, mais il semble bien que Cook ait fait une sorte de mise en scène dans le but de faire croire qu'il avait été agressé. Oui. Il semble que les agents Mulder et Scully aient parlé au directeur adjoint Skinner. Oui, apparemment votre travail a été examiné avec beaucoup d'intérêt par le bureau. Vous avez un fan en la personne du directeur adjoint Skinner. Et pourtant, j'avoue que certains rapports m'ont semblé un peu fantastiques, pour ne pas dire autre chose. C'est vrai, monsieur, je le reconnais. J'ai l'habitude d'entendre ça. J'ai un avion à prendre d'urgence, mais l'agent Mulder m'a demandé de vous dire qu'il avait retrouvé l'usage de son pied. Ah, ça me rassure. Je voulais vous dire merci, en tout cas. Je n'aurais pas voulu rater ça. Merci. Vous avez l'air complètement vidé, mon vieux. Rentrez chez vous et reposez-vous. On se verra demain, à la première heure. Et j'attends impatiemment votre rapport sur cette affaire. Je compte sur vous, compris ? Oui, monsieur. Au fait, l'inspecteur Astadourian m'a dit qu'elle avait quelques papiers à vous faire signer. Ah, elle compte vous les apporter à domicile. Je lui ai conseillé de les envoyer ici. Elle semblait tenir absolument à vous les remettre en main propre. Ah. Oui, monsieur. D'accord. Ça, je connaissais pas, ça, par contre. Agent Wilmore. Je crois savoir ce que vous voulez. Attendez une seconde, je vais le chercher. Non, inutile. Il vous sera encore utile. Bientôt. Plus autant qu'à moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le refaire. Donc j'espère que cette aventure vous aura plu. Et puis de toute façon, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou sur le Facebook, bien sûr. Enfin, si vous avez aimé, si vous avez apprécié ce playthrough, tout ça, ça fait toujours plaisir d'avoir des appréciations. Donc, oui, apparemment, on peut embrasser Astadourian, apparemment, mais je sais pas trop comment ça se passe. Apparemment, je sais pas, là par contre, je sais pas comment ça se passe. Donc, que dire de plus, ça y est, l'aventure X-Files est finie. Donc, si ça vous a plu, vous savez ce qui reste à faire, un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement. Et puis, voilà, donc sur ce, moi je vous dis à plus. Pour de prochaines vidéos, pour de prochaines aventures. Et puis, portez-vous bien, hein, tout ça. Enfin voilà, donc je vais peut-être pas laisser tous les sous-titres parce que ça là. Enfin bon, je sais pas quand est-ce que ça va se finir, mais voilà, peut-être finir bientôt. Sinon,
Bah voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc, c'est fini. C'est fini. Donc voilà les amis, donc c'est la fin du let's play, enfin du playthrough de X-Files The Game, un jeu de 98 que je vous recommande vivement. Donc si vous souhaitez faire acquisition de ce jeu, vous pouvez aller sur des sites, je vais pas donner de nom, mais bon voilà, vous avez plein de sites où vous pouvez acheter vos jeux. Donc moi j'ai réussi à le retrouver pour un prix abordable, donc si vous êtes intéressé, Google est votre ami, vous faites une petite recherche et vous devrez pouvoir le retrouver. Parce que moi je l'ai acheté l'année dernière, donc... Donc voilà. Sauf que j'arrivais pas à faire la capture à ce moment-là. Donc sur ce les amis, je vous dis à peluche pour de prochaines vidéos, de prochaines aventures. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi sur ce, je vous dis à peluche les amis. Allez, ciao tout le monde.